La personne humaine est une forteresse inexpugnable. À mon vin, il faut être toujours prêt à donner et à recevoir. Écoutez Errance Renaldienne, celle du 10 décembre, mais pas 10 décembre, 10 avril 2010, a été confluse, très confluse, vous en entendrez quelques effluves. Coupez, coupez, c'est là que ça se passe! On n'a jamais vu, dans toute l'histoire du monde, depuis le début, là, depuis le... je suis quelque chose, c'est Harry Smott, hein, puis c'est Dromalair, puis l'autre, là, Sobat, et puis Paris Scrott, tous ces grands penseurs, philosophes, ne se sont jamais penchés à se demander, ben oui, ils ont eu mal au dos hein, pour ramasser des pierres. Mais on n'a jamais vu quelqu'un se faire pendre par la langue. Ou pendu par des langues. Des langues de cochons. Des langues de cochons. C'est vraiment, c'est quand même assez incroyable. Vertus Bering, un Danois de Danoisie, 1681-1741, a explosé. J'espère que non, le gros coche. Non. Il a exploré le Kamanchankakan. On a des messages. Ils s'en viennent. Oh non. Les extraterrestres arrivent encore. Ils vont nous envahir, nous chercher, prendre notre intelligence. Il n'y en a pas d'intelligence, d'extraterrestres, d'intelligence non plus. Il n'y a rien sur la planète bière. N'allez pas sur la planète bière, reculez les ex-pro-BS, n'allez pas ici, toutes les BS, reculez-vous, toutes les assistées trop tôt, allez-vous, allez ailleurs, allez chez le diable. Il y a tout chez le diable. Alors, Vitus Bering, Danois, 1681-1741, a exploré, pensez pas d'exploser, tout, oui, a exploré le Kamanchataka. Attendez, le Kamat. Kamchatka. On dirait que j'ai goût de cracher. Je vous l'appeler après. Kamchatka. Kamchatka. Pas facile! Ça prend quand même un cours de... Ça se situe au-dessus. A-E-I-O-U. Hey, moi j'adore. On va s'étendre sur le sujet. Josette est en toi. Oh, je m'éteins. C'est le sujet. Ah, le bon sujet. Imaginez-vous, pardonnez-moi. Je ne sais pas ce que je fais. Lorsque j'essaie de trouver des filles, moi, qui ont des enfants de 10 mois, 11 mois, maximum un an. Pourquoi? Parce que je peux m'amuser avec eux. Avec qui? Avec les filles? Non, avec les enfants. Je peux leur faire des babubibobus. Là, ils te regardent avec des grands yeux. Ben, les pattes! Ça, j'ai fait ça avec la fille de mon ancienne blonde. Elle avait 17 ans. Je dis babubibobus. Ouais, c'est ça. Elle fréquentait un hip-hop, 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 hip. Alors donc, elle aimait bien ça. Je faisais babibibobu, elle écartait, genre babibibobu, elle écartait autre chose. Alors donc, la Kamchatka, découvert dans le détroit de Bering. Oh, c'est de là, Virus Bering a inventé le détroit de Bering. Là, il l'a pas juste inventé, là. Il a dessiné, soi-disant, les mauvaises langues qui se sont pendues avec leur langue. Là. Et c'est pas la langue de chez nous, mes amis. Ce n'est pas la langue de chez nous, car elle n'est pas belle et qu'elle n'est pas superbe. Elle ne traverse pas l'histoire à travers ses accents. Elle n'a pas le goût d'herbe. D'herbe et de fruits de choran, de moran, de manchal, de choran. Alors, l'histoire véritable là, de M. Vitus Bering, c'est celle-ci. Vitus était bouche cousue devant une Québécoise.
en 1979. Pas un 1681-1741, là. De nos jours. Là, j'ai vu la petite Québécoise, là. Tout aguichante. Bonjour, là. Oh, j'ai des hautes études. Madame, vous avez pas juste des hautes études, hein? Oh, j'ai pas juste des hautes études. Je connais l'histoire de l'amour. Ah, c'est... voilà. Mon nom, c'est Vitus Bering. Oh, Monsieur Bering. Vous êtes bien Détroit dans votre pantalon? Oui, ben oui. Je le Détroit de Bering. Et puis, je vous ai aidé à déberinger. Déberinger, ben, très cher. Puis ce gars-là aimait bien rencontrer les fées, Virtus, là, parce que c'est alright, là, c'est parce que ces gens-là, là, parce que ces gens-là, ils n'osent pas, monsieur, ils n'osent pas, ils défermeturent et clarisent. Il ouvertularise, il dépelise, il embouchalise, il assusotise, il envalalise, il demande des ises. Plus il demande des ises, plus il se jette de petits sachises, et plus sachises, et plus sachises. Et lorsqu'ils arrivent à des heures incongrues, elle vous demande, oh, oh, père du sucre, qu'est-ce que tu fais ce soir? Et là, tu dis, ben... je bering. Oh, vous beringez, je peux vous désobliger. Désobligez-moi, ma chère demoiselle, c'est votre métier. Oh, je n'ai point de métier, je n'ai que des tracasses. Alors, tracassez-vous devant moi, avec plaisir. I love you. La personne humaine est une forteresse inexpugnable. À mon avis, il faut être toujours prêt à donner et à recevoir. La personne humaine est une forteresse inexpugnable. À mon avis, il faut être toujours prêt à donner et à recevoir.